Le langage de l'image est un langage universel, auquel l'Algérien se sent proche et auquel il est sensible. L'Algérien a toujours baigné dans le monde de l'image, au sens large, il a un rapport presque intimiste avec la photo. Puisqu'avant la venue du numérique, on pouvait trouver dans chaque maison un album photo familial ou un appareil photo argentique, qui était généralement bien préservé et presque sacralisé. Pouvoir exposer ou accrocher des photos dans les rues à l'algérienne est comme une sorte de révolte du langage, de la culture, des libertés et des sens. C'est donner la possibilité à n'importe quelle personne venue de n'importe quelle classe sociale de poser un regard sur le travail photographique en ayant sa propre lecture. C'est aussi une manière de s'approprier l'environnement urbain à travers la création et le regard. À Barcelone, comme en Algérie, des gens prennent toujours le temps de s'arrêter, même si ce n'est pour quelques secondes, pour voir les photos. En Algérie, souvent on essaie de comprendre le pourquoi du comment. Et puis il y a l'identification par rapport au sujet photographié. Et il y a parfois de la révolte face à ce sujet-là qui pousse les personnes à déchirer les photos. Je pense que dans n'importe quel continent, la photo est là pour stimuler la réflexion et le questionnement. En remuant les sensibilités des uns et des autres à travers la vision du photographe. Lors de mon collage au marché Volta, à Alger, du côté de la rue du Douche Marade, les jeunes du quartier qui passaient à côté du mur cherchaient à me rencontrer pour comprendre ma démarche et connaître l'intérêt de coller des photos au mur et pourquoi des photos qui montrent la vie et la situation sociale des habitants d'un village algérien. Il y a ceux qui ont pris ça pour de la provocation, d'autres de la révolte. Mais l'impact était bien là, et ces gens-là ne sont pas restés insensibles face à cette fresque photographique. Money.